Chérie, je suis rentrée. Chérie ? Elle m'a dit qu'elle était rentrée pour ça. Ah, bah tu es là. Pourquoi tu ne m'as pas répondu ? C'est qui, Mélanie ? Mélanie... Mélanie, tu sais ? Mélanie ? Tu es partie ce matin au travail en oubliant ton ordinateur et il était allumé. J'en ai profité pour aller vite fait sur Facebook et là, qu'est-ce que je vois ? Un message de Mélanie. Une collègue de bureau, tout au plus. Vous avez l'air assez proche quand même. Hein. Bon, excuse-moi Armine, mais je viens d'arriver d'une dure journée de travail, donc j'aimerais bien me poser pour écouter un bon vivre. On n'a pas de musique ce soir. Je veux une réponse. Ok, très bien. Je t'ai dit, c'est une collègue de travail. Que veux-tu savoir de plus ? Chérie, c'est l'une des responsables de l'un de nos partenaires, donc effectivement, j'ai son Facebook pour pouvoir prendre contact avec elle et planifier des rendez-vous. Tu te fous de moi ? Quoi ? C'est à propos du café que je lui ai proposé ? Un café ? Et pourquoi pas une chambre d'hôtel aussi, tant qu'on y est, non ? Mais j'ai envie de te tuer, putain, mais t'es vraiment un enfoiré, le roi des connards ! Non mais franchement, elle a quoi de plus cette manie avec ses cheveux là, dégueulasses ? Qu'est-ce que tu vas prendre un café avec elle ? Elle est moche, mais... C'est bon, t'as fini ? Pardon ? Écoute ma chérie, Mel, Armin, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, donc tu devrais savoir que ça ne devrait pas exister ce genre de situation. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Cette Mélanie, avec qui j'ai effectivement bu un café, c'est une collègue de bureau, comme je t'ai dit. Donc nous avons échangé sur divers sujets concernant le travail, rien de fou. Et concernant la chambre d'hôtel, c'est plutôt avec toi que je la réserverai. Un ami à moi, lui aussi collègue de bureau, justement, m'a parlé d'un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Strasbourg. Il me semble qu'il y a même un spa sur la terrasse. Est-ce que ça t'intéresserait une petite nuit romantique en amoureux dans cet hôtel ? Je te jure que c'est une bonne idée, justement pour nous deux. Je trouve qu'en plus, en ce moment, on n'est pas vraiment bien proches, on n'est plus trop connectés comme avant. Ok. Je dois apprendre comment, en fait, là ? Tu dois le prendre comme une proposition galante. En disant que ça ne va plus aussi bien maintenant. Bah écoute, oui, c'est ce que j'ai remarqué entre nous deux. Mais c'est pas pour autant que justement j'ai envie de raviver ce genre de choses. Raviver en parlant à une autre fille. C'est ce que ça m'a fait moi. J'ai cru genre...